Oui, bonjour à tous. Salut, on est le 6 juin, ouais, il me semble, ouais, 6 juin. Soleil, ça change un peu, la pluie, on va en profiter parce que demain c'est encore la pluie. Donc là, aujourd'hui, on va faire que la visite des essaims, donc celui-là. La 12 cadre en bâtisse chaude. On va regarder l'autre là-bas, si le petit, il y a de la ponte encore. Je règle le téléphone, désolé. Voilà, je ne sais pas trop si c'était bien cadré ou pas. Voilà, on va regarder. Alors, je ne fais pas les grosses colonies parce que les grosses colonies, je les ai faites le 31 mai. Donc le 31 mai, voilà, elles étaient, le corps était très, ils étaient à sec. Hein. Ouais, le corps était vraiment sec et elles ont encore bien tapé dans les hausses. Voilà. Je suis trop bas avec le téléphone, il semble. J'essaie de l'en monter un peu, désolé. Ça va bouger. Voilà. On va essayer de filmer comme ça. Hein? Ouais, c'est un peu mieux. Donc, je vais pas filmer tous les toute la visite des essaims. Hein. On va regarder celui-là qui a été fait le 11 avril. Donc là, je l'ai mis en ruche le 25 mai. Le 25 mai, il a été mis en ruche et on a fait un traitement Varomed, enfin j'ai fait un traitement Varomed, comme tous les essaims, sauf la ruchette là-bas, parce que je savais pas trop s'il y avait de la ponte ou pas. Donc si je vois qu'il y a de la ponte, eh ben, je viendrai demain ou dans la semaine, s'il pleut pas, faire un traitement Varomed. Hein. Ouais, donc je disais, celle-là, le corps était à sec. Hein. Donc j'ai pris un cadre de réserve sur celui-là, parce qu'elle était beaucoup plus forte en réserve. Donc maintenant celle-là est en 9 cadres et j'ai rajouté sur celle-là, parce que celle-là était vraiment, le corps était très très sec. Hein. Elle avait vachement tapé dans la hausse. Bon, voilà. Donc j'ai fait un échange de, comment dire, un échange de bons procédés. Voilà. Puis après, ben, je viendrai nettoyer un peu le rocher parce que ça a bien poussé. Mais bon, je ne le filmerai pas. Hein. Donc là, on va regarder ça. On va regarder celui-là. Donc celui-là, il a été fait le 11 avril sur cellule royale. Sur cellule royale. Donc. Sa mère, c'est la numéro 2, celle qui est bleue avec du bleu là. Moi, je sais pas si on la voit. Hein. J'ai peut-être du mal à cadrer avec le téléphone. Donc, on va regarder. Hein. Donc, là, elles ont tous été nourries, hein, les essaims, parce que juste avant la pluie, donc le 31, ouais, encore même du sirop. Encore même du sirop. Donc, là, on mettra la protection pour éviter qu'il y ait du pillage. Et merde, désolé. Et gros mot. Voilà. Donc ben, avec le sirop, ça va être pas être facile. Donc on va surtout regarder. Non, il n'y a pas la reine. Hein. Ouais, ben. Donc, t'es obligé de quand même nourrir les essaims. Hein. Parce que c'était limite. Hein. Il a fait vraiment mauvais, mauvais. De la pluie. Oh, elle est jolie. Hein. Il est joli. Voilà, donc. On va juste faire une visite. Hein. Pas trop tarder non plus. Voir si la ponte est toujours correcte, et éventuellement lui mettre cette amorce, ce cadre avec amorce à bâtir. Voilà, c'est calme. Hein.
Ouais, en parlant de calme, celle que je veux diviser avec les rênes de Fred, un changement de caractère blason. Elle est devenue vraiment douce, enfin douce, entre parenthèses, mais elle n'attaque plus, quoi. Ça n'a rien à voir, il y a un changement. Alors, il y a un changement total de caractère, quoi. Ça a été la folie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est les anciennes butineuses et gardiennes qui sont mortes, donc qui ont été remplacées par d'autres beaucoup plus douces. Et franchement, je ne sais pas du tout. Hein. C'est blason, parce que ça n'a rien à voir avec le caractère qu'il y avait au départ. Hein. Vraiment, quoi. Alors, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi du jour au lendemain elle est venue tranquille, moins agressive. Mais bon, maintenant que j'ai commandé mes rennes, hein, je la partagerai en trois, puis je ferai mes essaims avec. Hein. Voilà, donc là c'était une cire gaufrée que j'ai mis quand je l'ai mis le 25, là, 25 mai. Hein. Ouais, bah ça bâtit tranquille. Hein. Bon, il n'y a plus de le châtaignier commence à fleurir. On voit qu'ils sont dessus. Hein, on voit le pollen jaune à rentrer. Il commence à peine. Bon, là, c'est du sirop. Hein. Oh, majeure partie, c'est du sirop. Hein. Voilà, donc. Est-ce que je vais lui mettre le couvain de là tout de suite? Ouais, je pense que je vais lui mettre quand même ce cadre, hein, ça va l'occuper. Hein. Si la mielée continue bien avec le châtaignier, on va mettre cette cire gaufrée, hein, on va l'enlever. Ouais, elles sont même déjà dessus un peu. Hein. Elles sont même déjà un peu dessus. Hein. Allez, poussez-vous là. Allez, je ne vous écrase pas avec un petit cadre comme ça quand même. Hein. C'est les bêtes. Voilà, donc. On va lui mettre à construire doucement. Tranquille. Hein. On va le mettre là. On rapprochera tout comme il faut. Eh ouais, de la flotte, on en a eu de l'eau. Hein. Bon, il fallait. Hein. C'était bien sec. Très très sec. Hein. Bon, ça a arrosé la couche superficielle. Hein. Ça n'a pas rempli les nappes. Hein. Ni les sources. Hein, parce que moi, je vois les sources. Elles sont encore bien sèches. Hein. Donc, les sources, non, ça n'a pas. Ça a rempli, ouais, ça a bien. Ça a arrosé en surface. Hein. Les plantes, les fleurs, ouais, d'accord. Ça n'a pas rempli les nappes phréatiques. Hein. Non, non. Non, ça n'a pas été. Pourtant, il a bien plu, mais pas suffisamment. Je dis pas qu'il faut qu'il pleuve encore. Hein, ou alors après la fin de la mielée, quoi. Bon. Il faut que ça pleuve. Il faut de l'eau. Hein. Il faut de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quel de couvain, hein. Tête de couvain, il y a des larves. Ouais, il y a des larves. Voilà, c'est. Il me semble pas que ça soit une reine marquée. Alors, par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une. Il y a. Une ébauche. Bon, je vais pas la casser tout de suite. C'est bon. En plein milieu du cadre, pourtant c'est une reine de cette année, on fait déjà des. Des amorces. Je ne vais pas voir si elle est pondue. On va retourner. Non, il ne me semble pas. Hein.
Il me semble pas. Non, il n'était pas pendu. Bon. Mais bon. Voilà. Toujours ces fameux cadres Hoffmann. Hein. Toujours aussi chiant à poser et à mettre en place. Ouais, c'est un bel essaim. Tranquille. C'est toujours calme un essaim. Hein. Après, dès que celui-là, on regardera ensemble la 12 cadre hein, pour faire voir un peu ce que c'est une. Ah, c'est tout pendu. Hein. Il y a tout des larmes, toute de la ponte. Bon, parce qu'on va pas emmerder plus. Hein. On va le laisser tranquille. Voilà, c'est tout pendu. Hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est tout pendu. Il ramène du pollen. Hein. Canne de châtaignier. Hein. Regardez le jaune là. Celle de en bas, tout en bas le cadre. Voilà. C'est bien. Elles sont tranquilles. Elles sont douces. Voilà, donc. Alors, la reine, bon, je ne vais pas chercher la reine, hein, je vois qu'il y a pas mal de larves. Hein. Ouais, allez. Couvain, il va pas tarder à naître celui-là. Hein. Donc. Voilà. Doucement. Doucement mais sûrement. Hmm. Allez fille. Alors attends. On va enlever ça. On va vous écraser. Les ponts là. C'est dommage de vous écraser. Hmm. Mais ouais. Elles sont grises. Hein. Alors, là. Je suis même pas cadré. Je voulais vous faire voir là. L'abeille sur mon lève-cam. Ah bon. C'est pas très grave. Hein. Bon, c'est pas des. C'est des hybrides. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas. Pourquoi il se met pas comme il faut celui-là? Parce qu'il y a le cadre Hoffmann à côté. Et ouais. Bon, son calme. Il n'y a pas besoin d'en fumer. Hein. Doucement. Alors bon. C'est que c'est un tout petit peu. Hein. Bon. J'ai frotté le cadre, donc c'est pour ça. Hein. Voilà, il y a de la pointe. Hein. Il y a des larmes de quelques jours. Et il y a de la ponte. Donc la reine est de. Pour être bien loin, regardez la mise, elle danse là. Je sais pas si on voit. Je sais pas si j'arrive à cadrer comme il faut. Voilà. Ah, c'est blindé. Hein. C'est blindé de larmes. Du couvain prêt à naître. Oh, bah c'est nickel. Hein. C'est chouette. Il y a un peu de réserve. Bon, bah c'est du. Majeure partie, hein, c'est du sirop. Hein. Je leur ai donné. Quand je les ai mis en ruche. Hein. Donc, le 25. Je leur en ai donné le 30 aussi, hein, quand j'ai fait la visite. Donc, c'est du sirop. Hein. Bon, même là, si elles ont commencé. Elles ont butiné, elles ont commencé à butiner maintenant. Mais autrement. Voilà. Ah, celle-là, il est mal mis celui-là. Il est mal mis. Eh ouais, le kiki.
Allez, tac. On va le remettre comme il faut. Voilà, t'es mieux. Beaucoup mieux. Ouais, je suis mal cadré, hein, désolé. On veut pas grand voir grand chose. On va pas voir grand chose. Hein. Bon, j'ai pas vu. J'ai pas vu au moins la reine. Hein. Bon, la reine n'est pas marquée comme je vous ai dit. Il ne semble pas, hein. Je l'ai pas marqué celle-là. Je l'ai pas marqué. Hein. Encore un quête de couvain. Hein. Des larves. Hein. C'est tout pendu de partout. Donc, c'est génial. Hein. Il est pas mal cet essaim. Il est pas mal. Voilà, c'est tout pendu là encore. C'est tout pondu, elle pond bien. Un peu de réserve. Hein. Ah, donc, ça va, ça va. Ça se passe bien. On va les faire descendre un petit peu quand même. Hein. Oh, doucement, tranquille. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh non, on se détend là. C'est rien ça. Hein? Allez, tenez. Après, je vous emmerde plus. Je vous embête plus. Encore un 4 de couvain. Hein. Voilà, donc. Couvain, réserve, pollen, larve. Bon, on n'a pas vu la reine, mais bon, il y a de la ponte, donc. Pas très grave. Hein. Bon, merde, on essaiera de la. D'avoir une prochaine fois. Hein. La prochaine fois, j'essaierai de la marquer. Hein. J'essaierai de la marquer la prochaine fois. Il faut qu'elle se trouve là. Non, bon. Hein. Voilà. Il grossit très vite, hein, cet essaim. Hein. Très très vite. Voilà. Bon, elle dans les cadres, hein. C'est un cadre sec apparemment. Il a été bâti, mais bon. C'est tout. Donc. Ouais, bon, ça bantige à tuyau. Hein. D'accord, tranquille. Tranquilo. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ouais. Voilà. On va pas remettre en place. On va remettre la partition là. Et puis voilà. On va pas tout déplacer. Hein. À la prochaine visite, ben, je rentrerai pressé. Redéplacerai à gauche. Voilà. Bon, ben, c'est tranquille. Un bel essaim. Donc il est sur 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4 de couvain. Voilà, il va se développer gentillot. Hein. Tranquille. Hein, bon, bah, il a encore à construire, hein, mais d'ici le mois de. D'ici le mois de septembre. Là. Bon, je sais pas quand. Regardez.
Je les ai mal cadrés du tout là. Franchement, désolé pour cette première vidéo, mais c'est mal cadré. Voilà. Du tout. Hein? Voilà, désolé. Mal cadré. Bon, allez, on referme. Hop. Tranquille. On notera un peu ce qu'on a vu. Hein? Allez.